Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Zuka. Aujourd'hui je vais vous parler de tout ce qui est amélioration sur SC2. Donc quand je parle d'amélioration je parle bien sûr des plus 1, plus 2, plus 3 d'attaque de défense. Donc mon objectif ça va être de vous présenter un petit peu le point de vue Protoss sur les améliorations, donc quelles sont, quelles sont celles à faire, quels sont les impacts des améliorations, et vraiment de vous parler de chaque match-up et de, de, du coup de vous donner des petits conseils sur quelles sont les améliorations à privilégier selon les cas. Donc pour ça... Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller plutôt sur une test map et on va voir un petit peu tout ça. Pendant que je vais vous donner des explications, allez, c'est parti. Alors, nous voici donc sur la test map. Alors, l'intérêt de ce type de, de, de mode, c'est que ça va nous permettre de faire varier les paramètres et de vraiment de un petit peu tout voir. Alors, les upgrades qui existent sur SC2 sont essentiellement les upgrades d'attaque et de défense. On va pas parler de tout ce qui est Storm, Blink et tout ça. Vraiment, on va se concentrer sur ça, sur les améliorations. Alors, en Protoss. Il en existe trois. Il existe l'amélioration de défense, donc d'armure on va dire, l'amélioration de bouclier qu'on va aussi appeler l'amélioration de shield, et l'amélioration d'attaque. Alors comment ça se passe Quand vous recherchez une amélioration, donc par exemple amélioration d'attaque, vous allez voir mon attaque va changer. Par exemple là je suis à 8 de dégâts, je passe à plus en attaque, je vais passer à 9, je passe à plus d'attaque, je vais passer à 10. Je passe à plus 3 d'attaque, je vais passer à 11. Sachant que la limite est de 3 améliorations. Un petit peu pareil pour le shield qui va faire 0, 1, 2, 3. Euh, et euh, l'armure portoise qui va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc voilà ce que sont finalement les améliorations. Alors leur intérêt. C'est assez simple. Les améliorations donc, de défense vont diminuer les dégâts que vous prenez. Par exemple, euh, on, une unité m'attaque à 2 dégâts. C'est un truc bête, donc elle va m'enlever 2 points de vie à chaque fois qu'elle va attaquer, et ben elle va m'en faire perdre plus qu'un si j'ai une amélioration de défense. Les améliorations d'attaque, c'est dans l'autre sens. Par exemple, si je fais des dégâts à 8 et que j'ai une amélioration d'attaque, je vais mettre. Je vais donc, je vais donc, euh, enfin, pardon, si j'ai une, 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 une attaque de 8 et que j'attaque un ennemi, je vais mettre 8 de dégâts. Si elle passe à 9, je vais mettre 9 de dégâts. Voilà. La seule limite de ces choses là, c'est qu'on ne peut pas faire 0 de dégâts. Donc ça sera toujours ramené à 1 de dégâts euh, si par exemple on est au maximum enfin voilà, dans des cas extrêmes, euh, genre du Zerling euh, contre de lultra euh, qui est euh, amélioré au maximum. Quoi. Voilà ce qu'il faut savoir sur les upgrades. Autre point très important au niveau des upgrades, les sorts n'affectent pas, ne sont, euh, ne sont pas affectés et n'affectent pas. Enfin euh, ouais, finalement ne sont pas affectés par les upgrades. C'est-à-dire qu'un sort qui fait 80 de dégâts, typiquement la Storm, va faire tout le temps 80 dégâts. Même si l'unité qui la lance est upgradée, ça fera toujours 80 dégâts. Et la cible, même si elle est upgradée, ça fera toujours 80 dégâts. Ça, c'est très important pour la suite. Euh, vous comprenez pourquoi. Donc vous allez voir, je vais vous parler déjà de plusieurs choses. Et je pense que c'est important, déjà dans un premier temps, de définir un petit peu les termes que je vais utiliser. Donc le premier terme que je vais utiliser, c'est le DPS. Qu'est-ce que c'est le DPS C'est le dégât par seconde. Donc ce n'est pas simplement le dégât, c'est le dégât. Pur, donc, le dégât pur, on va dire 8 divisé par la vitesse d'attaque, donc par 0,86. Ça va même plus loin que ça c'est les dégâts fois, la, fois le nombre d'attaques, donc 8 fois 2, divisé par 0,86. Oui, parce que le zilote, ou le phoenix, ou même le maraudeur ne vont pas faire euh, 8 de dégâts, mais vont faire 8 fois 2. Illustration un zilote qui attaque, donc on va le faire attaquer, je sais pas, on va le faire attaquer. Bah tiens, euh, on va le faire attaquer à notre zilote. Voilà, on va les faire combattre. Vous allez voir, c'est assez simple. Le zilote là a, 80, a 50 points de bouclier. Je le fais attaquer. Il met un coup de coup, un coup de coup. Et vous voyez, bien sûr, j'ai pas mis que 8 de dégâts, j'ai mis 16 de dégâts. Ça c'est important. Alors, pourquoi c'est important Parce que en fait, ça signifie que des unités upgradées telles que les zilotes quand ils ont plus attaque, ils donc ils passent à 9 de dégâts, mais en fait c'est comme s'ils avaient gagné 2 de dégâts. Puisque leur première lame va faire 9 de dégâts, et leur deuxième lame va aussi faire 9 de dégâts. Donc ils gagnent plus d'attaque. C'est quelque chose qui est très important de comprendre. Et surtout, ouais, surtout en Protoss d'ailleurs. Donc voilà ce qu'est le DPS c'est le dégât qu'on fait par seconde. Il y a des unités qui vont avoir énormément de dégâts, mais qui vont attaquer lentement, et il y a des unités qui vont avoir très peu de dégâts, mais qui vont attaquer euh, rapidement. Et. Qui peuvent se retrouver finalement au point de vue du dégât qu'elles vont faire sur une seconde. Le DPS, dégât par seconde, le dégât qu'on va faire sur une seconde. Voilà. Euh, autre autre euh, terme très important, c'est la notion de timing. Un timing d'upgrade, ça signifie attaquer sur un avantage d'upgrade. Un anti-timing, ça veut dire se faire attaquer ou même, ouais, c'est même, enfin, euh, ouais, c'est se faire attaquer sur un timing qui n'est pas intéressant pour nous, ou attaquer un adversaire sur un timing qui n'est plus intéressant pour nous. Le, la notion de timing anti-timing, c'est-à-dire que vous entendez souvent des joueurs dire, euh, ouais j'ai fait un timing attaque sur mon plus d'attaque, ça veut dire que j'ai visé une attaque qui était timée sur mon plus de, par exemple, d'attaque ou de défense, parce que je savais qu'à ce moment-là j'avais un avantage. Vous allez comprendre toutes ces notions-là un peu après, quand je vais vous expliquer finalement qu'est-ce qu que j'entends par ce terme euh, finalement avantage d'upgrade. Alors, déjà on va faire un point sur les protos. Les protos, ils ont plusieurs bâtiments qui permettent de faire les améliorations. Ils ont la forge qui vont faire les améliorations d'attaque au sol, de défense au sol et de bouclier général. Et ils vont avoir le nœud cybernétique qui va faire les améliorations d'attaque aérienne et de défense aérienne. Ça c'est important. Qu'est-ce que ça signifie euh, si vous voulez améliorer des unités au sol, vous allez utiliser la forge, si vous et allez, vous allez utiliser la forge, exclusivement la forge. Mais si vous voulez améliorer des unités aériennes, vous allez utiliser euh, le noyau cybernétique et vous allez faire finalement les, les améliorations du noyau cybernétique, mais aussi l'amélioration du bouclier, puisque le bouclier affecte à la fois les unités terrestres et à la fois les unités aériennes et même les bâtiments. Mais bon. Ça c'est les bâtiments, bon, on va pas trop en parler parce que bon, il y a assez peu d'intérêt de, de faire des, des améliorations pour un bâtiment finalement. Euh, voilà, autre élément important, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Protoss possèdent deux barres de vie. Là on va rentrer dans la notion de bouclier justement. Ils ont le shield, le, ils ont pardon, euh, les points de vie, donc euh, qui sont là par exemple pour un Protoss 100 points de vie, et le bouclier qui est à 50. Donc la différence entre les deux, les points de vie ne peuvent pas être restaurés. Ça si vous joue en 2v2 et qu'il y a un Medivac qui vous soigne, mais bon bref, on s'en fout. Et le bouclier se recharge tout seul sur la durée. Élément important, la plupart, je dirais même la quasi-totalité des unités Protoss ont plus ou autant ont plus de points de vie que de points de bouclier. Ce qui signifie que, de manière générale, les améliorations de bouclier bah, sont pas forcément les premières à faire. La seule grosse exception à ça, c'est l'Arcon. Donc, Archon, qui possède 350 points de bouclier pour 10 points de vie. C'est finalement un UT qui, pré qui bénéficie de plus de toutes ces améliorations, finalement, de, de, de bouclier, quoi. Ça, c'est hyper, hyper important à comprendre. Euh, autre chose très importante, de manière générale, les Protoss font beaucoup de dégâts. Ils font vraiment beaucoup de dégâts, quoi. C est, c est, tout simplement, les Protoss font beaucoup de dégâts. Ça, il faut, ça, il faut bien le comprendre. Euh, et... Qu'est-ce que ça signifie des unités qui font beaucoup de dégâts bah Vous vous rendrez très vite compte que les unités qui font le plus de dégâts, eh ben, ils ont tendance à avoir leurs dégâts qui n'augmentent pas de 1, mais qui augmentent de 5, voire euh, ouais, souvent de 5 au maximum. Ah, mais un des, 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 très, des meilleurs exemples, c'est le Dark Templar. Donc le Templier Nord, vous voyez, de base, il a 45 de dégâts. Si je lui mets plus 1, il va. Euh, pardon, c'est celui-là. Si je lui mets plus 1, il va passer à 50. Si je lui mets encore plus 1, il va passer à 55. Si je, vais gagner, si je lui donne encore plus 1, il va passer à 60. L'unité gagne 5 de dégâts à chaque fois. Ça, c'est très important pour la suite, encore une fois. Les unités Protoss ont également, de manière générale, beaucoup de points de vie. C'est une particularité des Protoss. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça au niveau des upgrades et euh, voilà, du fait qu'on est une forge en eau et bien contrairement aux au terrains qui voudraient jouer méca nous on doit faire un choix en termes d'upgrade soit on va plutôt sur du sol, soit on va plutôt sur de l'aérien. Voilà, ça c'est le, le, le fait d'avoir des upgrades séparés entre sol et aérien fait qu'on va avoir tendance à plutôt choisir de s'orienter soit vers un type de composition, soit vers une autre, et ce qui fait que les compositions finalement sol air. Peuvent être, euh, peuvent être euh, difficiles à jouer, quoi, du moins en late game, puisqu'on ne va pas pouvoir faire les upgrades de tout en même temps. A euh, l'inverse, voilà, comme je vous ai dit, le mécatéran méca il a les upgrades qui sont unifiés pour les, pour les, pour les, pour les euh, unités mécaniques. Donc vous pouvez le voir ici, on va recliquer dessus. Mais euh, côté euh, mecha, c'est l'amélioration du blindage véhicule et vaisseau. Et donc le mécanique, euh, le tank et le viking va bénéficier des mêmes upgrades. Particularité terrestre, encore une fois. Autre particularité d'ailleurs, Protoss, qui va plutôt être une différence vis-à-vis -vis des ergues, c'est que, euh, afin de faire le plus 1 d'attaque, de défense et de bouclier et de la forge, on a besoin que d'une forge. Pour faire, le, pour faire pardon, le plus 2 et le plus 3, on va avoir besoin d'un conseil crépusculaire. Voilà, ça c'est important parce que. Comment ça se passe côté ZERC par exemple Les Zerg pour faire les améliorations de base, donc ce qu'on appelle couramment le T1, donc le plus 1 plus 1 d'attaque et de défense, ils vont avoir besoin d'une couveuse, ensuite ils vont avoir besoin d'un terrier pour le plus 2 et d'une ruche pour le, le plus 3 plus 3. C'est assez important, ça signifie que quelqu'un qui a un ZERC qui n'a pas de ruche ne pourra jamais être plus 3 plus 3. Il est obligé d'aller très loin dans, ses, euh, dans, ses, dans, 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 dans sa technologie pour pouvoir le faire. Voilà. Euh... Et encore une fois, voilà, quand on veut upgrader à fond euh, des unités aériennes, on est obligé aussi d'utiliser la forge. Ça, j'en ai déjà parlé. Euh, chose importante, en termes de points de dégâts donnés, VS points de dégâts reçus, sur le papier, les Protoss auront toujours tendance à préférer euh, les upgrades d'attaque. pourquoi bah, La plupart des unités, même les DT, hein, d'ailleurs les DT les premiers, euh, vont gagner que plus 1 de défense à chaque fois. Quand ils vont faire des améliorations de défense. Et ils vont gagner plus 1. Ils vont gagner plus 5 de dégâts par amélioration d'attaque. Donc, sur le papier, si on fait la, le, le rapport entre les deux, les upgrades d'attaque sont de manière générale beaucoup plus favorables euh, pour, euh, pour, pour les Protoss. Vous allez voir, c'est pas forcément vrai selon les matchups hein. Ça, c'est vraiment important. Autre chose qui est importante, c'est que si on veut vraiment améliorer de plus 1 la défense d'unité un, Protoss, ben, il faut faire l'amélioration pour le bouclier et pour l'armure. Voilà. Ça il faut le savoir. Euh... Chose importante. Les upgrades d'attaque sont, sont autant bénéfiques aux unités qui attaquent rapidement qu'aux unités qui ont beaucoup de dégâts. Tout simplement parce qu'une unité qui a beaucoup qui a beaucoup de vitesse d'attaque bah son plus 1, elle va pouvoir le cumuler très souvent. Et une unité qui a beaucoup euh, de enfin beaucoup d'attaques de base et qui va et qui va faire euh, des bons de plus 5 de dégâts à chaque fois, en fait va juste taper beaucoup plus fort. Quoi. Ça c'est essentiel à comprendre. Euh... Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la plupart des unités protoises gagnent deux points d'attaque ou plus par upgrade. Euh, L'exemple, ça va être euh, le Zilot qui en fait, au lieu de gagner plus 1 sur le papier, va gagner plus 2. Le phénix, de la même manière, il fait 2 tirs, et il va gagner aussi du plus 2. Euh... Après, il n'y a finalement euh, que le stalker. Et la sentinelle qui vont faire que du plus 1 d'attaque. Voilà. Euh, maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Qui est tout ce qui est avantage d'upgrade. Donc, qu'est-ce que c'est un avantage d'upgrade Alors, pour ça, on va clear. Et on va comprendre ça, très, va comprendre ça assez facilement. Euh, on va parler de compositions qui sont très très simples. Qui vont être une unité contre une unité. Un avantage d'upgrade, c'est le moment où on va tuer des unités plus rapidement. Euh, parce qu'on frappe plus fort. Un exemple, ça va être le zilot contre le zerling. C'est l'exemple de base. Donc on a un Protoss qui n'a pas d'upgrade. Euh, pardon, je me suis trompé. On va mettre un zerling. Hop. Alors on va enlever le upgrade. Voilà. Le Protoss n'a pas d'upgrade. Le zerg n'a pas d'upgrade. Vous allez voir, on va faire attaquer le zilot sur le zerling et on va compter les dégâts qu'il fait. Le, le nombre de coups qu'il met. Hop, c'est parti. Alors on pousse ça. On le fait attaquer, hop, et on le fait attaquer. Regardez bien. 1, 2, 3. 3 attaques pour le tuer. Maintenant, on va faire juste le plus 1 d'attaque côté Protoss. Hop. Regardez bien. On attaque, et on attaque. 1, 2. 2 coups pour le tuer. Maintenant, on va faire autre, un autre test. Vous allez voir. On va mettre beaucoup de Zerling, donc euh, je sais pas trop, on va en mettre, euh... alors on, va, on va mettre tout ça de Zerling, je sais pas combien il y en a, il y en a, sais... hop, alors attendez, on va mettre 16 Zerling, et on va mettre, allez, 4 Zilots, euh, 3 Zilots, on va mettre 3 Zilots et on va faire les deux fights, donc sans upgrade et avec upgrade. On va mettre 3 Zilots, hop, 3 Zilots contre 16 Zerling, donc on va les aligner. Hop, on va les aligner aussi, eux. Et on va les faire attaquer. On va voir comment ça se passe. Donc là, il n'y a pas d'upgrade côté Protoss. Je fais que le prendre celui-là. Hop. On attaque. C'est toi. On va voir combien il reste de Zerling à la fin. Vous voyez, on a pris la fight. Donc, tous les ilotes sont morts. Et il reste 6 Zerling. Maintenant, on va faire la même avec juste le plus un d'attaque. Côté... Euh et en fait, c'était un très mauvais exemple parce que j'avais le plus trop d'attaque. On va le... Oh, attendez, je vais le refaire. Pourquoi j'avais le plus trop d'attaque Il restait 6 ligne Bon, avec le plus trop d'attaque... Alors, on va le refaire, je suis désolé. Petite aléa du direct. Ça m'a aussi paru un peu bizarre. Donc, on attaque. Donc là, les zélotes n'ont pas d'upgrade d'attaque. Comment ça va se passer Voilà. Ça se passe mieux, ça, ça me paraît plus logique. A la fin, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il reste 11 Zerling sur 16. Maintenant, on va faire juste le plus d'attaque. On va réattaquer de la même manière. On va voir ce qu'il reste. Donc, on a dit 11 Zerling Avec le plus d'attaque, vous allez voir, les zilotes font beaucoup plus mal parce qu'ils tuent les Zerling en deux coups cette fois. Vous allez voir que la différence va être vraiment énorme. Là, il n'en reste plus que 6. Et comme on a vu tout à l'heure. Là, maintenant, on tue les airlings en deux coups. Mais vous allez voir qu'en fait, monter à plus de d'attaque ne va pas nous réduire le nombre de coups avec lequel on tue un airling. C'est-à-dire que je passe au plus de euh, d'attaque, je vais toujours tuer les airlings en deux coups, parce que les airlings, donc, ont 35 points de vie. Je vais leur mettre, vais leur mettre 20 dégâts. Je passe au plus 3 d'attaque de la même manière, je vais toujours tuer les airlings en deux coups. Et ça, c'est super important à comprendre, parce que qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que vous pouvez, euh, le plus d'attaque est très bénéfique. Pour tuer du Zerling. En revanche, aller plus loin du plus en attaque, c'est pas forcément bénéfique. Voilà ce que je voulais vous dire par là. Les donc l'avantage d'upgrade pour du Zilot contre du Zerling, ça va vraiment être d'avoir le plus 1, du moins en early game. Après, bien sûr, les Zerg vont rechercher des améliorations d'armure et tout ça. Il faut aller sur plus que du plus en attaque. Les compositions d'armées adverses ne sont pas que du Zerling, donc effectivement, les upgrades a fait, euh, enfin, il y a aussi des, des timings d'upgrade qui sont importants contre d'autres unités mais voilà l'idée générale qu'il faut comprendre euh, cette idée elle est par exemple également présente en PVT en PVT l'adepte va tuer euh, et ça c'est et ça c'est super en fait c'est super clair d'ailleurs il y a eu un nerf qui était lié à ça on va mettre un adepte contre un marines il le tue en deux il le tue en euh, il le tue en trois coups bon ça, ça on le sait on le sait tous hein, normalement il le tue en trois coups mais ce qui est très important c'est de regarder à quel, à quel nombre de points de vie il va le laisser Regardez bien, il met un coup, deux coups, putain j'ai oublié d'enlever le plus 3 d'attaque encore une fois, désolé. On le refait. Il lui met un coup. Deux coups. Voilà. On le pousse. Et le, le marine reste avec un seul point de vie. Et, tout ce, et ça, ça signifie encore de la même manière que le plus 1 d'attaque va faire qu'on va tuer du, du marine sans deux coups. Ça peut paraître bête, mais sur un All-In Marines... Et eh ben, ça signifie que ben, vous, vous avez besoin de beaucoup moins d'adeptes pour tuer un mass marines. Et c'est essentiel à comprendre ces choses-là. Voilà ce que je, vous, je voulais vous parler. Voilà ce que je voulais vous dire par les avantages grade. Un avantage d'upgrade, ça signifie euh, un, un avantage qui va vous permettre de tuer plus vite. Mais ça peut aussi être l'inverse. Ça peut être un avantage par exemple d'armure qui va vous permettre de tuer une unité. Et eh bien, euh, qui, va, qui va vous permettre de survivre euh, euh, énormément pour ça? Un autre exemple, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Ça va être le DT, le DT contre du VCS. Donc, on regarde bien. Il n'y a pas d'upgrade qui sont côté Protoss, il n'y a pas d'upgrade côté Terran. Voilà, de base, un DT ça va one shot un VCS. Voilà, on y va, hop, c'est le one shot. Maintenant, on va faire une amélioration qui est simplement l'amélioration de défense côté Terran. Et vous allez voir que eh ben, mon DT qui fait 45 de dégâts, le, le, le VCS a 45 points de vie, exactement le même. Sauf que je, il va, le fait d'avoir une, une amélioration de défense, ça va diminuer de 1 les dégâts qu'il reçoit, et donc il ne va plus mourir. Et ça peut paraître bête, mais sur des DT qui ont finalement une attaque qui n'est pas la plus rapide du jeu, qui est assez lente, et qui ont été d'arras, vous faites ça, bah ça signifie que vous n'allez plus arriver à one-shot les VCS, et vous diminuez votre arras quasiment de moitié en termes de puissance d'attaque, juste parce qu'il y a une upgrade. Voilà, c'est ça, ça que je voulais vous expliquer, c'est ça que je voulais vous expliquer c'est ça qu'il faut comprendre. Tout ce qui est timing d'attaque, c'est des choses qui se travaillent. Avec l'expérience sur le jeu, on se mal comprend. On se dit, bon, euh, le mec par exemple, il a fait tel upgrade. Bon, moi, il faut que je sois à, ce, à, à tel upgrade pour, euh, pour être en rentable, quoi. Voilà. Mais ça signifie pas que. Euh, mais euh, ça peut signifier, par exemple, pour contrer un masse Zerling. Admettons, vous avez un adversaire qui vous fait que du Zerling. Et vous, vous voulez faire que du zot pour le contraire, ben vous vous dites, j'ai pas besoin d'aller plus loin que le plus en attaque, puisque je vais rien gagner en termes de puissance. Voilà. C'est pour illustrer mon exemple. Ensuite, euh, ce que je voulais vous. Maintenant, de quoi je voulais vous parler, plutôt dans un, un petit peu un dernier point, pour vraiment résumer tout ce qui est upgrade, c'est vraiment quels sont les upgrades à faire par match-up. Alors, de manière générale, voilà la logique qu'on va suivre. En PVT, la, mais, la, si vous jouez en mono upgrade, ce qu'il faut euh, favoriser, c'est les upgrades de défense. Alors pourquoi favoriser les upgrades de défense en PVT Et bien tout simplement parce que les compositions Terran, c'est essentiellement du Marines et du Marauder. Alors on met de côté les compositions Mecha, on va parler surtout des compositions bio qui sont les grosses compositions qu'on voit dans le, le Protoss contre Terran. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un Marines, en termes d'attaque, ça attaque à 6 euh, de dégâts. Une, 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 une upgrade de défense va faire passer les dégâts à 5. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que les terrains attaquent essentiellement avec un coup de steam pack. Et avec un coup de steam pack, leur intérêt, c'est qu'ils font des attaques très rapides, mais qui finalement, qui finalement ne font pas très mal en soi. Et dans ce cadre-là, les upgrades de défense sont utiles. Tout simplement parce qu'elles vont vous permettre de tenir beaucoup plus longtemps, voire même avec une centrie. Alors mettons un Marines non-upgrade qui vous attaque et vous vous avez un défense et le shield. Ces dégâts qui sont à 6 passent à 3, on diminue son DPS par 2. Autre intérêt, vous avez les maraudeurs. Les maraudeurs, ils ont la particularité d'avoir deux attaques. Qui attaquent à 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors, a5 contre du euh, contre du, euh, du léger et à 10 contre du blindé. Hein. C est, c est... Voilà, il faut le comprendre. Quel est l'intérêt quel est d'avoir des upgrades de défense Et ben en fait, les dégâts qui sont à 5 x 2, puisqu'il y a deux attaques qui sont terre en même temps, elles sont impactées deux fois par la diminution de DPS. C'est-à-dire que euh, mettons euh, le, le maraudeur attaque un zilote qui n'a pas d'upgrade. Il va lui faire 10 de dégâts. Donc 5 fois 2, parce que c'est du light. Voilà, il, lui fait 10, il lui fait 5 de dégâts. Maintenant, il va attaquer un, proto un zilote qui a une upgrade de défense. Il a une upgrade de défense qui lui fait moins 1 de dégâts. Et bien en fait, le euh, marauder va faire 2 attaques à 5 et du coup va faire 2 fois 4 de dégâts. Et donc, il perd 2... Enfin, de, 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 du coup, il perd 2... Euh, de dégâts et pas seulement un parce qu'en fait c'est deux attaques et ce qu'il faut voir c'est voilà, ça c'est que quand il y a deux attaques quand une unité fait deux attaques euh, si si elle attaque une unité qui a un d'armure elle va lui faire deux fois moins de enfin elle va lui faire deux attaques avec un de moins de dégâts et si euh, elle attaque enfin euh, si elle a une upgrade d'attaque elle va lui faire deux attaques avec plus un de dégâts voilà. <laughs> Je sais pas si c'est très clair, c'est assez, assez compliqué à expliquer tout ça, mais, euh, mais l'idée c'est que euh, avoir une unité qui fait deux attaques, c'est super bien quand vous avez les upgrades d'attaque. Par contre quand tu, une unité qui a les upgrades de défense, eh ben, finalement bah, c'est vous qui êtes désavantagé. Euh, par exemple, euh, vous attaquez un Ultralisk, et eh ben vous êtes affecté deux fois par son armure, une armure qui peut monter euh, très très haut quoi. Voilà, voilà ce que je veux dire par là. Alors, après, ça c'est dans le cas, tout ce que je vous expliquais pour euh, en termes d'upgrade, je vous ai parlé d'upgrade de défense. Et quand je vous parle d'upgrade de défense, et bien c'est ce que je vous expliquais euh, côté Protoss. Quels sont les upgrades de défense à faire en priorité Et ben en fait, c'est assez simple, c'est toujours systématiquement l'armure. Pourquoi faire l'armure plutôt que le shield Et bien tout simplement parce que euh, la plupart des unités Protoss, on va en mettre plusieurs, hein, mais. Euh, voilà, on, va, on va mettre les, les trois principales, même l'immortel. L'immortel, vous voyez, il a 200 points de vie, 100 points de shield. Le zlot il a 100 points de vie, 50 points de shield. Euh, le stalker, c'est 80-80, c'est égal. Euh, L'adept, il a un peu moins de shield que de points de vie. Voilà. Donc, globalement, il y aura toujours plus de points de vie. Donc, on va favoriser plutôt les, les améliorations qui vont toucher au point de vie. Deuxième, un deuxième raison, les upgrades de shield sont plus chers. Elles coûtent 150-150. Donc on va toujours favoriser les upgrades d'armure en priorité. Après ce qu'il faut voir c'est que en termes de PVT, euh, on joue aussi énormément sur euh, des double upgrades. Et quand on fait les double upgrades, bon, on va faire les upgrades de shield, euh, alors pardon, d'armure et d'attaque en même temps. C'est un petit peu d'ailleurs le seul match-up où on va jouer beaucoup en double upgrade parce que c'est euh, permis actuellement par la metagame. Donc la metagame c'est tout ce qui est euh, la façon de jouer en ce moment. Et la mode est toujours au double upgrade. Le seul moment où vous allez faire finalement les upgrades d'attaque, c'est quand vous allez jouer contre du mecha. Parce que contre mecha, toutes ces, les histoires de se battre contre des marines et des marauders, bah, ça n'existe plus. Vous allez faire des unités qui tapent très fort quand, quand, quand vous allez jouer contre mecha, donc qui vont énormément gagner par les upgrades d'attaque. Et, euh... et voilà quoi, tout simplement. Et. Autre moment où vous allez faire plutôt les upgrades d'attaque avant euh, les upgrades de défense, c'est par exemple quand vous allez faire des compositions qui sont très orientées sur beaucoup d'adeptes, parce que bah, vous allez vouloir dégraisser beaucoup les marines, c'est beaucoup la biobole, et les adeptes, euh, il leur faut des upgrades pour pouvoir bien dégraisser tout ça. Quoi. Voilà, c'est vraiment un prix du situationnel, mais de manière générale, il vaut mieux faire d'abord les upgrades de défense en PVT. Alors maintenant, je vais vous parler... Plus spécifiquement du PVZ. Alors, le PVZ, finalement, c'est bah, assez simple. Euh, déjà, le, 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 jeu se joue, le, le PVZ se joue essentiellement en mono-upgrade. Donc, on va pouvoir plutôt tendre à jouer avec une seule forge. Puisque c'est comme ça que ça joue. Le faire double forge, c'est très dangereux parce qu'on peut se prendre des attaques très dures à arrêter. Et finalement, ça joue en mono-upgrade. Et dans le cadre du PVZ, on va toujours systématiquement favoriser les upgrades d'attaque. Déjà, pour arrêter tout ce qui est Zerling. Euh, Après aussi parce que les ergs sont beaucoup, euh, ont beaucoup d'unités qui ont très peu de points de vie. Donc finalement on peut les tuer beaucoup plus rapidement si on a... Si, et de toute façon on veut les tuer euh, rapidement les ergs. Les ergs on veut pas tenir longtemps face à eux, on veut plutôt essayer de les détruire rapidement. Et autre intérêt, quand vous jouez contre des masses Zerling euh, ce n'est pas les upgrades de défense qui vont vous faire gagner ni tenir. Ça va être les champs de force que vous allez faire. Finalement, en zerg on va toujours tenter d'éviter que le zerg nous fasse mal via des champs de force. Ça se joue beaucoup aux champs de force, les PVZ. Et donc, on va, on, on part du principe que de toute façon, si on se fait toucher, on va prendre très très cher. S'il arrive au contact, on va prendre cher. Donc, dans ce, dans ce cadre là, c'est toujours les upgrades d'attaque qui seront beaucoup plus rentables que les upgrades de défense. Bien sûr, quand on a plus trop d'attaque, on va aller sur les upgrades de défense. Euh, deuxième cas quand même un peu bizarre, là c'est quand on joue plutôt sol, quand on joue sky, donc aérien, on va toujours favoriser le double upgrade sky. Tout simplement parce que euh, les compositions skytos, donc notamment carrière, qui sont très à la mode et qui, sont, qui seront toujours d'ailleurs très à la mode, les compositions carrière, eh ben c'est une composition où vous campez, où vous prenez votre temps. Et donc vous avez le temps de faire toutes les upgrades avant d'attaquer. Votre 200 de population est très long à arriver et vous avez le temps de faire toutes ces améliorations et vous pouvez prendre le temps et vous devez même prendre le temps de le faire puisque vous allez beaucoup camper sur vos bases voilà et après euh, quelles sont les améliorations enfin en premier puisque bien sûr qu'on fait un en on en pas deux noyaux en premier on fait en principe d'abord un upgrade toujours l'upgrade d'attaque de manière générale c'est toujours les upgrades d'attaque qu'on va faire en premier mais non je vais vous parler d'un cas un peu plus spécial. Ça va, être, euh, eh ben ça va être tout simplement le PvP. En PvP, ce que vous allez chercher... En fait, a, en PvP, il y a un petit peu trois manières de faire qui s'opposent. Il y a le fast upgrade, donc, notamment avec une seule forge, qui va être toujours l'attaque le, 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 en premier. Alors, pourquoi l'attaque en premier Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le papier, euh, l'attaque est toujours mieux que la défense. Voilà, et quand vous êtes sur un match miroir où finalement il n'y a pas de, de gros. Enfin, où vraiment ça se passe sur le papier, quoi, ça se, passe comme ça, se, ça se passe en réalité comme ça se passe sur le papier, vous allez faire les upgrades d'attaque. De toute façon, les compositions Protoss ça va essentiellement vers de l'Arcon, de l'immortel, et c'est des unités qui bénéficient énormément des upgrades d'attaque. Voilà. Euh... Quand vous allez jouer sur des upgrades rapides, donc vous allez chercher plutôt des compositions qui vont être de l'immortel, euh, de l'adepte, du zillot charge ou des choses comme ça, vous allez euh, du coup systématiquement jouer en monoforge et en upgrade d'attaque en priorité. Quand vous allez jouer en composition stalker-destructeur, stalker qui sont très très à la mode, et bien en fait vous pouvez jouer sans upgrade. Alors pourquoi jouer sans upgrade dans ce cadre-là Déjà les upgrades, donc ça prend du temps, ça coûte des ressources. Et en fait, dans, ce, dans, dans le cadre du Stalker Disruptor, c'est essentiellement, essentiellement les Disruptors qui font les tirs. Et les Disruptors, eh ben, ils ne sont pas affectés par les upgrades. Vos dégâts, ils seront tout aussi forts si vous avez des upgrades que si vous n'en avez pas. Parce que l'attaque d'un Disruptor est un sort. Voilà, basiquement. Donc, les compositions Blink Disruptor, euh, Blink Stalker et Disruptor. Finalement, on peut retarder les upgrades et d'ailleurs on a tendance à les retarder, c'est-à-dire qu'on va lancer la forge que quand on va avoir le plus, le, euh, la troisième base qui est lancée. Pourquoi les lancer quand même Vous allez me dire, ben parce que la, la partie ne finira jamais sur seulement du euh, Stalker Blink. Stalker Blink Disruptor. Il y a forcément un moment où il va y avoir une transition qui va se passer. Et dans ce cas-là, il faut avoir les upgrades. Quand vous allez jouer skytos c'est exactement comme ce que je vous expliquais pour le, pour le PV. Le PV, pardon. Le PvZ. C'est qu'on va d'abord faire les upgrades d'attaque, puis les autres upgrades. En Mass Phoenix contre Mass Phoenix, c'est les upgrades d'attaque en premier. Parce que, euh, bah parce que vous voulez maximiser vos dégâts et vous attaquez. Vos unités attaquent par deux. Les dégâts sont mis par deux. Alors, Mass Phoenix contre Mass Phoenix, admettons, vous avez fait euh, les upgrades de défense en premier. Et bien, c'est un peu dommage pour vous, parce que, euh, effectivement, vous allez les... Mais mettons vous vous avez le plus en attaque, l'adversaire a le plus un de défense. Vous vous allez taper sur tous vos coups vous allez mettre plus un de dégâts par rapport à ce que vous auriez mis normalement. Lui sur une partie de sa vie il va encaisser mieux. Mais juste sur une partie de sa vie et une partie de sa vie qui va représenter donc on, le, le Phoenix il a 60 points de bouclier, 60 points de bouclier et 120 points de vie. Finalement sur euh, je suis pas très bon en maths mais finalement sur un tiers de sa vie seulement il va mieux tanker, mais pas sur le reste. Donc toujours les améliorations d'attaque. Et après, bien sûr, passer sur les double upgrades. Le PVZ, le PVP, c'est un petit peu d'ailleurs le seul match-up où une fois que vous avez fini les améliorations d'attaque, bah, vous allez plutôt aller sur celle de bouclier. Alors pourquoi aller sur les upgrades de bouclier Parce que les compositions de game, c'est essentiellement de l'arcon Et l'arcon comme on a vu tout à l'heure, 350 points de bouclier, 10 points de vie. Il bénéficie à mort des améliorations de bouclier. Et en plus, étant donné que euh, vous avez des compositions, donc souvent euh, de l'immortel, enfin que vous avez des compositions qui peuvent être des fois un petit peu mélangées avec un petit peu de sky, selon le, le, le game que vous avez choisi, euh, les améliorations de bouclier sont, sont utiles. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur sur ce que j'ai pu expliquer. Voilà. S'il y a des points sur lesquels j'ai pas été clair ou wow assez précis euh, même si vous avez des questions sur certains timing d'attaque euh, que vous comprenez pas ou euh, si vous avez vraiment des questions sur bah voilà je, je joue cette compo là quel est le timing d'attaque que je dois viser pour euh, être euh, au maximum efficace est ce que c'est le plus 1 est ce que c'est le plus 2 n'hésitez pas à vous poser vos questions euh, autour de ça n'hésitez pas à partager la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu non plus si elle vous a plu et puis à bientôt dans une prochaine vidéo salut